the work of God. Men will look around for bringing them into church. C'est ça le succès. That's success. Dans la beauté que j'ai. My beauty. I'm working for the kingdom of God. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Le succès. J'aurais dit succès. Ça veut dire que le temps que Dieu a passé là, il y a libéralité à kokaba, à kopesa. To give to others. Nazon soit bosu nanga. I will take my wealth. Nazon me mango na kabu na musala na nzambe. To the works of God. C'est alors que then, tu auras du succès. You will gain success. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? There's somebody understand. Je parle du succès. I'm talking about success. Donc le succès du côté de Dieu. Success according to God. Dieu ne voit pas le succès d'un côté. Physique ou matériel. Look at success in the physical way. Parce que lui, il était venu beaucoup plus pour les choses spirituelles. Because he came more for the spiritual. Les spirituels. What is spiritual? Qui contrôle le physique. Which controls. Parce que spirituel ne te contrôle pas physique. Because the spiritual world is what controls the physical. Si on veut look à macambe ça matériel. If you're looking for material things. Mais l'ingénieur apprend que look à l'ibosso molimo pour molimo de contrôler matériel. I tell you that you look for what is. Molimo ne te va donc bend dans matériel. Spiritual world has shut the physical things. Et j'aurais voulu dire à quelqu'un. I would like to tell someone. Ne t'en fais pas. Do not worry. Le succès mondain. Success. Worldly success. Le succès mondain. Worldly success. Est temporaire. It is temporary. Et ce sera toujours temporaire. It is always le temporary. Le succès du monde n'est pas permanent. Success of this world is never permanent. Amen. Est-ce que nous comprenons pas? Someone being blessed. Le succès dans le monde. The success in this world. C'est temporaire. It is temporary. Bon exemple. I will give an example. Begin to look at the people who reign. When you learn who reign. When you grew up, who's reigning? When you were young, you didn't give birth, who was reigning? When your children are grown up, who is reigning? You see that time go by. Because the success of this world is not permanent. The success of the world is passager, temporary. Goes by. Mais le succès de Dieu the success of God est éternel et pour toujours. Ce succès que Dieu te donne, il te donne le succès sur la terre. Au sort, you will not only le succès en question va t'accompagner jusque dans le royaume de Dieu. C'est alors que tu verras la gloire that's de Dieu. You will see the glory donc nous voyons que le succès de Dieu, we see that the success of il God est permanent et éternel. It is permanent and eternal. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. That's why beloved. I would like to tell you. Nous devons être des fanatiques de Jésus-Christ. You have to be fans of Jesus Christ. Parce que la Bible me dit, the Bible says, à lui appartient le succès. To him is success. Et c'est par lui que le roi règne. It is by him that the king reigns. Donc, si on a succès, if you want to be successful, hold on to God. Nous venons amen. Say amen. Nous venons amen. Amen. Hold on to God. Parce que la source de succès, because he is the source of success. C'est Dieu. He is God. C'est Christ. He is c'est par Jésus que nous avons le succès. It's by Jesus. Alors, that we have succès. So if you hold on to God, no banda ko régner. Then you begin to reign. Lentement. Slowly. Mais sûrement. But surely. Dans ce qui n'a biso. Success. Ata bakati yo kingo. Even though they. Et si la kati. Ils ont l'ando toujours. He will follow you. Alléluia. Ata bakati yo makonga. Even though they. Ce succès ne prend pas fin. That success never ends. Parce que Dieu n'a pas de fin. Because God never ends. Et quand Dieu vient dans ta vie, so when God comes into comme your life, n'a pas de fin, because it never ends. Toi aussi tu n'as pas de fin. You do not end either. Si tu crois cela, est-ce que tu peux dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que les normes du succès de Dieu. You understand that success according to God. Et de ce monde est ça différent. It is different from the world. Donc Dieu a ce monde en différemment succès. God sees it differently. Alors normes où Dieu a établi pour nous causer succès. So what God said to you. Dieu parle de la fidélité. He speaks of faithfulness. Donc nous comprenons que mon cas base pilier à succès, you see that the base of success you must be faithful. Donc, je suis fidèle à ma femme. I'm faithful to my wife. Nous causer succès dans les balles. I will be successful in my marriage. Fidèle, I am faithful to my husband. Then I will have success in my est-ce marriage. Do I have success? I am faithful in the work of God. I am faithful in giving. I am faithful in my tithe. So I am giving my tithe. Donc, I am faithful. God wants faithful. C'est pas comme aujourd'hui vous trouvez des gens qui prennent des engagements après qu'un mot partait naïf librement. They leave just that. C'est comme si nous commençons à so we are playing. Donc comme si nous we are joking. Oui, on a écrit ce qui engage nos engagements.
You go to a church, you take a church. You don't finish it, you go to a different church. You don't finish. So you direct God. Tu fais des églises en église, you go from church to prendre church, des engagements. Taking engagement. Croire que c'est Dieu, c'est quelqu'un qui passe à la canaille. That God, God Dieu a fondé la fidélité. God is faithful. Parce que lui-même est fidèle. Because he is faithful. La Bible l'appelle, il est le témoin fidèle, l'ami fidèle. The Bible says he's a faithful friend. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La fidélité. Faithful. Est-ce que là où tu es fidèle? Are you faithful where you are? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Secret à succès, faire une fidélité. See, the secret of success is in faith. S'il y a une personne infidèle ici, une femme infidèle, un homme infidèle. There's an unfaithful man or faithful woman. Je t'en supplie par l'amour de Dieu, sois fidèle. Please begin to be faithful. Et en plus de cela, tu acclames pour le roi des rois. And now begin to clap for the King of Kings. Qui m'avait envoyé les la vidéo là, on a mon qui n'aille pas y avoir ça. Someone sent me a video. On a vu à tout bout de temps, mais c'est presque toute l'église qui était. Those people who are walking, who are not walking right. Alléluia. Everyone, amen. Rabbi, wow. Alléluia. Amen. Nous parlons de la fidélité. We are speaking of faithfulness. Donc le monde, Mokili, the world, est à la carte. It looks at les riches, les grands, it looks at wealthy, les puissants pour s'accrocher à eux. The powerful. Et ça va battre nous sous. À quoi le bâton? Ngapuna za succès fona za camarade. Is that what people say? Donc ça décale ma combo. For me to be successful. Yes, on kaza mu kala Beckham ndaba mu na keno succès na ngwana. If it goes to Beckham, then I'll be successful. Alléluia. Donc Beckham atinda kaye ma place ya zoma. Beckham will send me here and there. Masa nanga. So that's my friend Beckham. Succès na ngwana. So he feels that success. Oh, tangwele kaka. But time goes by. Salamu tabitinda Yesu. Okomama na livre de vie. Lagos sent you. Okomami pe na livre de souvenirs. Your name will be written in the book of life. In the book Jesus. Of Jesus. A komio na livre de vie. You're gonna write your name in the life, book of life. Okomami sentis ukufa te. You will not die anymore. Na livre ba souvenir. In his book of life. You write your name. So kosa na problem. If you have a problem. O rappele kaka. You remind him. Olo di Seigneur. You say Lord. Souviens-toi. Remember. Remember me. Et Jésus quand il va ouvrir les livres. And when we open the book of Luke. Ah bien, Hazan, n'as-tu pas souvenir yes, it is allez, there. Libéré. Libéré. Bah libéré pour nous. Alléluia. Soyons des fanatiques de Jésus. Let us be fans of Jesus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Dans le royaume des cieux. The kingdom of God. Na limitatia aksia evele awa. I would like to accentuer kotia accent. Highlight. Oh. I would like to highlight. Dans le royaume de Dieu. In the kingdom of God. Ce que les gens ne comprennent pas beaucoup. What people do not understand. Dans le royaume de Dieu. In the kingdom of God. Il y a un principe. There is a principle. Le grand principe dans le royaume de Dieu. The biggest principle in the kingdom of God. Avant de recevoir. Before you receive. Il faut donner. Give. Amen. Before you receive, you must give. I'm not talking about money. Je dis devant Dieu. Before God. Pour recevoir. For you to receive. Tu dois d'abord commencer à donner. You must first of all give. Est-ce que toi tu donnes ton temps à Dieu? Do you actually give your time to God? Alléluia. Amen. Parce que it's not about money. Mais je ne fais pas allusion à l'argent. I'm not talking about money. Pour recevoir devant Dieu, before you receive, tu dois God, s'aimer ton temps. You have to give your time. Nous sommes pas clairs, Rabbi. Médite ces livres. Say meditate upon this word. Jour et nuit. Day and night. Donc il faut méditer à you must you always meditate. Alléluia. Amen. Il y a temps qu'on médite Bible à la carte. You don't have time to meditate. You don't have time. Vous êtes la famille, vous ne partagez pas. You are family, but you do not. Vous ne méditez pas. You do not make it. Ah, mais you always talk and gossip. Mais ni pas parler que pendant nga pendant encore ta mode. Alléluia. Amen. Donc masulo betra ngwa. Those are the old. And you ask for success. Eko ya te ba kolobela you will not succeed. People will not speak of you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokozi. Donc dans le succès, in success, nous devons d'abord donner. We must first of all give, donner notre temps à give Dieu. Our time to God. Donner notre temps à la prière. Give our time to pray. Donner notre temps à la méditation. Give our time to meditation. Donner notre temps à venir devant la présence give de Dieu. Our time to come le temps presence, de partager avec. Time to Alléluia. The word of God. C'est alors que tu auras du succès. Then you will have success. Donc pour où soit. In
order for you to receive. You're praying, you want success. Il faut comprendre que le succès vient quand il donne. But you must understand success comes as you. So cause la kana temps pour nzambe, Dieu aussi n'aura pas le temps pour God will not have time for you. Alléluia. Amen. Nzambe boya ka mutu te abaka pe. God doesn't reject nobody. Mais ce qui otaka ye kadi pa ko tia yoka. If you don't give him time, he will not give you. Is that a principle biblique? It is a principle in the Bible. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. I will honor those who honor me. Alléluia. Amen. Yo somona mobali yo a honora mo si c'est ça dit moi so pas soumise. Have you seen a man who doesn't honor? Moi ça honora mobali mbali pas lingué. Your woman will honor you when you love them. Comme ça non? It is, it works that way. C'est comme hier j'ai partagé avec un couple avait dit un pasteur. Yesterday I was speaking to a couple. Ma femme m'a dit que elle est insoumise parce que elle attend d'abord la. My wife told me that she's not submissive. Je pose une question. Je dis maintenant qu'en penses-tu? What do you think? Pour ma maman dit. For the things that she said. Yo mon amour zanzibar. What do you think about it? Ah bon, il dit avant de la soumise il faut. But she said before she must be submissive, you must show her love. It's not about studying. Just love her. And you will see submission. I honor those who honor me. Begin to learn how to honor God. Success will come into your home. In your family. In your children, you shall see success. Mais honore le Seigneur. Honor the Lord. Honore Dieu. Honor God. Maintenant, je voudrais parler du secret. I will speak of the secrets that helps you get success. You're looking for them secrets. Where do they come from? Normally, they're not secrets because they're in the Word of God. Just say that you do not read. I'm talking about secrets, but they're not secrets. It's in the Word. But you don't take time to read. Hallelujah. So, secrets of success. One. N'entends qu'un secret moko. I will speak of one. Pour aimer ma bise nako bondela. 1 Samuel 16 verset 7. Ndeko moko tangela biso. 1 Samuel 16:27. 1 Samuel 1 verset 16. 1 Samuel 16 verset 7. 1 Samuel 16 verset 7. Le succès. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Le premier secret du succès. The first secret of success. Je recommence. I repeat. Le premier point dont j'aimerais parler du secret du succès. The first point of secret of success. Nous avons lu la Bible. We read the Bible. La Bible dit Dieu ne regarde pas l'apparence. God doesn't look at appearances. We are the ones who look at what's outside. Look at how people present themselves. Look at the envelopes. Mais Dieu regarde le contenu, c'est-à-dire mutema. But God looks at the heart, what's inside. God doesn't look at the envelope. First of all, you leave it here. It goes back to the sand. Mais Dieu regarde le cœur. But God looks at your heart. Donc pour avoir le succès. Before you have success. Le premier point c'est d'avoir une bonne attitude de cœur. The first of all, you have to have a good heart posture. Et lorsque même ma succès dans mon thème na bon moto ya mutu. What brings success in your life? In somebody's life. Et cela quand d'abord mon thème na yo. First of all, your heart. Donc checker mon thème na zandenge. Check your heart. Hallelujah. Amen.
Nous allons parler sur le point qui amène au succès. Le premier point qui amène que la personne puisse avoir du succès. Nous avons dit que le succès est un peu plus grand. Nous avons dit que Dieu, son